Monsieur Espérance, cassez-moi sur information avec nous. Non. Et, où t'es alloué, monsieur Anel? Si oui, et ben petit détail sous état de santé li, avant nous parler de deux, trois dossiers qui a avancé, notamment et informations qui réussi à collecter d'après des sources nous parler. Il souligne que monsieur a derrière plusieurs gros kidnappings qui généraient en pile l'argent. Oui, et elle est allée visiter Anel hier. Et mardi, qui était 30 juin 2019, juillet 2019, là, dans l'hôpital, côté la prend soin, depuis 23 et juillet 2019. Allô? Yes. Donc, Anel était prend une balle dans le pied depuis plusieurs semaines. Et la balle a été sortie, mais elle était bon, elle a cassé. Et bien, elle a opéré depuis la semaine dernière, depuis mardi 23 et juillet. Et la prend soin de la thérapie. Donc, nous espérons que le plus rapide possible, il a retiré dans l'hôpital là pour des CPJ et continuer avec l'audition. Et donc, puis Anel pas coupé, Anel a toute facilité, et lui est en santé, et la prend soin. Gagné dit qui déjà attendait lui lundi qui était 29 juillet 2019 là sous l'autre dossier parce que pour Pipiti il y a deux sénateurs qui en contact qui en contact qui en relation avec Anel. Oui, pour Pipiti il y a deux sénateurs qui en contact avec Anel. Nous nous connaissons très bien, c'est grâce à Delva, Nabinsou, et grâce à Delva, et après, qui est dans le mois de sorti, et février, pour le mois de mars, il a été révélé que je suis parlé avec Anel, puis se passer 20 fois, et le sénateur a été confirmé ça. Et bon, deuxième sénateur, il y a une enquête qui a mené, c'est le BLTS avec, et dit pour implication Anel avec sénateur ça nan drogue. Donc lui-même mais on connaît une sorti dans la Tibonite l'autre la sorti dans Grand Sud. Grand Sud la vaste, il y a ni bliking gardens ligue sud-est. Côté sorti dans ça dans sud avant grand dans ça. Ah mais dans sud, dans sud. Oui, dans sud. Oui. Okay. Et toi, dans sud. Hervé Foucault. Hervé Foucault, Guéyen Salomon. Et ça, vous rappelez notre nom. Sildo. Ah, mais chaque département est trois sénateurs. Guéyen, c'est celle et la type. Et Grandas, Guéyen 2. Vous connaissez Guéyen Nadal, Guy Philippe qui n'est pas rentré dans le Sénat. Après ça. Où est-ce qu'il y a elle à la GOT Goula, oui. Dans toi, dans sud, là, qui est-ce lié? Elle a la géo. Elle qui te dit continue à enquête là. Ok, d'accord. Mes amis. Oui, ou ka continuer. Oui, oui, la poursuivre non. Oui. Vous êtes attendu parce que. Oui, alors, DCPJ continue à attendre Anel et toute information nous est sortie sur les réseaux sociaux comme quoi Anel fait gros révélation. Et bon, Robertson Alphonse a expliqué nous bien, il connaît c'est une et journaliste grand enquêteur que pays a bail. Donc m'a félicité Robertson. Pas fait jalousie non et j'ai foi. Oui. Non, pas fait jalousie, m'a simplement mangé. Parce que tu brille bouge. Parce que tu vas te débattre ça. Et donc monsieur Sonek, son journaliste et enquêteur, il connaît que DCPJ et toujours fait travailler avec sérénité. DCPJ traite beaucoup de dossiers déjà. C'est pas dans le dossier Anel là, pendant DCPJ enquêteur t'as pas auditionné pour t'as mis des informations dehors. Ça pas fait dans DCPJ et pas causé sur dossier ça fait. Donc bon, c'est clair que Anel a collaboré, en tout cas il dit nous qu'il a collaboré, il bail dit en pile information, la bail de CPJ et information parce que des CPJ continue à prendre. Tant des CPJ vient faire enquête. Et puis là ça et n'a connait ça là Denis.
mais c'est ça me capable dit Anel besoin en pile protection nan men la police là et nous nous même les noter ou elle nous ouais que il y a contrôlé le bon contrôle qu'a fait et m'espérer qu'a continuer et parce que il a gagné en pile couri ouais par exemple il couri oui par grand pile couri a grand pile couri donc pourquoi nous on marathon pour lui non tout ça fait non, ça là Et pas courir ça, non, c'est monde qui n'a connivence avec Anel pour la question de drogue, dans tout le monde, et dans le kidnapping. Donc, Anel qui est 4 pour contre lui, parce que Anel l'a déplacé dans la capitale là pour aller dans l'autre zone, pour plus petit monde descendre avec lui. Et chaque fois la police a essayé de faire intervention pour. Nous là? Oui, nous là, oui. Chaque fois la police a essayé de faire intervention pour prendre un ben une grosse autorité politique qui est formée avec des gens dans la police là. Son gang qui était puissant en pile, qui a en pile des armes, en pile munitions, et qui a eu un gros moyen tout. Et il y a des gens qui ont fait Anel et manger, qui ont fait des armes, qui ont fait l'argent. Donc, où je vais nous dire dans le Parlement, et pour plus petit, nous connaissons des sénateurs, où je vais nous dans le gouvernement, où je vais nous dans l'exécutif, où je vais nous dans le secteur privé. Donc, nous-mêmes, nous continuons à veiller à ce que nous protégions Anel, nous nous protégions la boîte, pas arriver, pour être capable de collaborer avec les institutions, la police, avec la justice, tout acteur dans la chaîne pénale là. Pour nous finir avec bagaille ça, parce que c'est pas normal pour le monde qui a des responsabilités dans la main pour protéger la société, améliorer les conditions et citoyens, et puis pour nous, il y a affaire institution, c'est bandits qui a des armes et pour terroriser la population. Nous voulons venir pour nous sur oui, oui. La Tibonite, grâce à Delva. S'il vous plaît. Grâce à Delva qui est soupçonné pour implication dans un cas de kidnapping. Ah! Oui. Oui. Ah, attends, un petit moment, monsieur Spencer. Bah, on va bon, ou fait mon appel dans le tribunal. Souvent, oui, oui. Tu as dit là? Oui. Moi, je vais féliciter pour l'article qui nous a dit ça. Bon, moi, nous parlons de un cas de kidnapping que. Et il y a un sénateur qui est soupçonné là-dedans. Et c'est gang Anel là qui fait kidnapping ça. Et nous pas cité non, mais c'est un sénateur la Tibonite. Et tout le monde connaît qui est sénateur dans la Tibonite qui est en contact avec et Anel. Et sénateur a dit ça. Et qui ça y est? C'est le 14 mars, et année ça, 14 mars 2019. Il y a un kidnapping qui fait dans la zone cimetière Port-au-Prince. Et un monsieur a kidnappé avec deux employés qui sont sortis dans l'activité qui a eu lieu dans le business dans la zone et Léogane. Et là, il a fait kidnapper les gens, il a mené au village de Dieu, après ça, il a mené l'Anel dans la Tibonite. Et Madame et monsieur kidnappé, alors, nous yon kidnappé, c'est voisin Gracia Delva. Nous là? Oui, n'absuive. C'est voisin Gracia Delva. Et puis, les 16, et madame monsieur, sénateur, qui c'est voisin, il m'a dit le concours. Il m'a dit pour les délits. Il est fatigué, il n'y a pas compris ça pour le faire. Et bon, sénateur a tant de lits. Et puis, après enquête qui mène, il y a joint que sénateur a communiqué, et même joie, et sous téléphone Anel, et sous téléphone victime, hein, ou bien on a eu otage, et avec la vie. Ça veut dire que téléphone. Et victime dans tellement équipe et Anel là, non seulement sénateur a communiqué sous téléphone et Anel avec et Anel, n'a pas le sénateur Gracia Delva, mais il communiquait sous téléphone et victime dans tout
avec l'équipe Adel là. Le 17, dans matin, madame victime, là, qui se voisin sénateur, et membre des sénateurs qui s'ajoutent pour lui comme information. Sénateur a dit qu'il fait quelques coups de fil, il va joindre rien. Sénateur n'a pas dit, et madame, là, qu'il était communiqué avec Anel, et il n'a pas dit tout qu'il communiquait sous téléphone. Et victime là, alors qui c'est Marie-Dame là. Et sénateur a par exemple informé la police et les judiciaires sous cas et kidnapping ça. Et victime yo, comme c'est pour moi, j'ai une instruction qui pourrait instruire le dossier ça pour demander au Sénat de mettre grâce à Delva à la disposition. Nous-mêmes, c'est ça, et nous demander et force à faire le plus rapide possible. Je vous rappelle, dans le mois d'avril, après ça, après l'information qui est sortie, côté que nous joignons, grâce à des vacances, parler avec encore, qui ont chef gang qui fait révélation qui dit que il tue le monde pour député. Il compte faire mauvais acte pour député. Et pas bien aucune note chambre député, pas bien rien qui fait. Ça veut dire. Je dis à la, en Haïti, ou bien gang, et par mon côté où il est dans le pays, où il y a sécurité, et gang tout partout. Et si vous avez un bagage qui marche sous pouvoir ça et au détriment de la population, c'est phénomène qu'on a. Et c'est le gouvernement exécutif avec le parlement qui mettait la population dans la situation ça. Et puis, on a mouru et député ou bien sénateur, en tout cas, qui pas dans bagage ça, qui a dénoncé, yo par exemple, yo pas fait un lien. Et concernant pour collègues qui ont soupçonné soit dans kidnapping ou bien qui n'a connivence avec gang. Ok. Donc, maintenant, monsieur Espérance, est-ce que la police judiciaire mandé la justice pour y attendre le sénateur Delva? Oh oui. Et il est clair que après enquête, et la police, et j'en ai dit son dossier qui transféré dans le paquet depuis la semaine passée. Donc, il est clair que Gracia Delva est impliqué dans le kidnapping ça, et il a demandé pour la justice à elle. Et comme le paquet Port-au-Prince, c'est pas un. Il parle là pour faire instruction. Donc, le dossier a allé dans le paquet depuis la semaine passée. Et pour nous-mêmes, le paquet a pas de doute dans 24 heures pour le transférer. Un dossier qui est aussi important comme ça. Et pour la quantité de gardes à l'affaire. Et pour l'information qui était déjà sortie dans la presse et des révélations qui fait. Et côté qui a montré que grâce à Delva, n'a connivence avec Anel. Anel et gang Anel a travaillé pour grâce à Delva. Donc, pour nous-mêmes, le dossier ça a été arrivé dans le cabinet d'instruction et le cabinet de juge d'instruction qui a instruit sous dossier ça, s'il est arrivé déjà, il a dû déjà demander au Sénat pour mettre grâce à Delva à la disposition. Donc, maintenant, monsieur Espérance. Nous prenons le comportement et sénateur. Non, ça m'expliquer là, Gombara qui est extrêmement. Et important que tu as fait la donne, c'est dénonciation. Je ne m'attends pas à dire que dans l'audition faite pour Anel et que tu as dénoncé clairement, tu as dit que le sénateur a impliqué dans le kidnapping ou bien dans le connivence avec lui pour l'autre Zach. Malhonnête, tu as habitué fait. Moi précise, oui. Moi dis comme ça que des CPJ toujours menaient enquête avec sérénité et toujours gagner confidentialité et les investigateurs dans le CPJ a fait enquête. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire rien.
et public nan sa Anel di avec des autorités ou bien sa ta di avec nous n'a quitté la police judiciaire fait travail et nan nan fin yan l'aime t'a parlé sous et Anel m'a dit pas bien pile couri et m'a dit pour pipiti gen deux sénateurs yon sorti nan sud l'autre là la Tibonite c'est Gracia. Allô? Allô, allô? Il a oui, c'est une question. Allô? Allô, allô, allô? Magique 9, toute nouvelle. Allô? Oui, t'es grand coupure. Oui, et non, moi, t'es pas avec précision, oui. Moi-même, moi, pas pral dit en lien et sous et travail et des CPJ, m'a quitté et des CPJ fait travail, lui. Et moi, t'es dit que pral dit oui. Ok. Mais donc, nous, et c'est ça que je dis, toute information qui a sorti, côté que vous dit, Anel fait des révélations, et c'est vrai, il y a des gens qui connaissent les relations Anel avec le conseil des gens qui a mis des bails. Il y a des gens, tous ces diversions qui a fait, les gens ont dit, puis Anel coupé, et etc. Mais des CPJ pas mené enquête comme ça, et nous-mêmes, nous pas pral dire publiquement, dans le moment que des CPJ a fait travail. Et n'a quitté dié DCPJ n'a quitté acteur dans la chaîne pénale et fait travail et les arrivé et ça pour nous mettre dehors dans mettre dehors nous-mêmes. Tout à fait. On parle dans l'autre dossier massacre de la Saline et Dani où font parler avec madame Diallo et de l'ambassade américaine qui dit que faut que mon responsable faut que punio c'est chargé d'affaires. C'est numéro 2 ambassade américaine. C'est une position exprimée par les Américains et Réseau National de défense des droits de l'homme et d'autres organisations de défense des droits de l'homme et de tout vous qualifiez massacre d'État. Qu'est-ce qui a évolué dans ce dossier? C'est l'interdiction de laisser le territoire que juge Chavanne Etienne est imposé à M. Fednel, mon cher directeur général du ministère de l'Intérieur, et à M. Duplan, M. Pierre-Joseph Duplan, c'est ça? Et pour l'intérieur. Oui. Non. Pierre Richard. Ok. Merci pour la précision. Et quand les citoyens saoyés, est-ce que vous avez des actions que vous avez tentées et il y a eu aussi une invitation pour un témoin dans le cadre de ça. Soit quand nous regardons. C'est même passé, j'ai eu là une interdiction de départ pour deux autorités et dans l'État qui était planifié, qui était préparé massacre à Salina avec barbecue et l'autre chef gang. Et gagné avocat et Fednel mon chéri avec délégué l'OSA qui fait un recours en référé qui mandait pour yo lever interdiction de pas et ses doyens Bernard Saint-Ville qui tendait. Donc, n'a pas tant de doyens à prononcer sous recours ça. Et de toute façon, il est clair que le massacre la Saline est un massacre d'État. Et nous pas besoin de rappeler qui quantité de monde qui mourit. Donc, nous espérons que le doyen a gagné la loi et comme vous savez, et il va décider dans l'intérêt. Et société a un intérêt et victime n'a respect tout et doit et monde qui est extérieur tant que des responsables ça et dans l'État mais c'est ça nous capable dire contrairement avec ça le monde dit que monde ça aux gros fonctionnaires dans l'État qui ont eu faut avoir une permission et président pour la justice qui attendait et il est clair que et je dis avec sous constitution 1987 et amendé et gagner sa nouvelle séparation et pouvoir et a fait un gros fonctionnaire l'État qui a parlé et ben c'était depuis qu'en coin là et gouvernement dictatorial yo qu'on mettait sous route justice yo pour protéger délinquants qui dans entourage bon même si ça pas et mon ça a gros fonctionnaire de l'État et que constitution 1987 là t'a dit et faut que c'est exécutif là président qui t'a pas autorisation mais et c'est les monnants commettre des actions faire des actions
dans l'exercice fonctionne. Donc, je ne pas croire que dans la description de tâche, dans l'attribution de paio, yo gagné pour y aller massacrer le monde. Donc, il plaît que je suis capable de passer code dans le monde à n'importe quel moment. En 30 secondes, Pierre, parce que nous avons fini, nous avons le proposant. En 30 secondes, tu as gagné la police judiciaire qui t'a écrit. Et par rapport à Gali, il y a des jeunes dans le gang post-lène qui a propriété PNH qui était dans le palais national. Et il y a des détails qui étaient sur ce dossier. Ça, sans qu'on est sur ça, comment l'évolue? Est-ce qu'une enquête pour jeunes 56 Gali, ça a évolué? Gali, ça a connu qui moun qui était dans le menu. Est-ce que il y a des démarches qui faites pour l'expliquer comment le faire et tomber dans le gang ça qui est connecté avec le gang qui détruit le monde dans la saline? Un détail rapidement en une minute. Rapidement, c'est depuis 2016, oui, c'est ou même moi avec l'équipe Nouvelle-Lista qui était fait un article qui était attiré l'attention et la population sous des armes CSPN a été commandé en 2014. Et après ça, on quantité d'armes ça qui a dans le palais national et puis ils viennent disparaître. Donc, et pas rien qui fait, pas aucun suivi qui fait. Et dans le moment que nous parlons, nous parlons avec la police judiciaire, pas rien aucun acteur, pas rien aucune autorité qui fait aucun suivi. Et dans ce sens, bon, il y a un suivi qui a pour fait, c'était, et après, moi qui était coordonnateur sécurité palais national dans l'époque là, et c'est lui-même qui a pour venir explication qui c'est. Qui c'est famille et madame et ancien et président, pas rien qui fait dans ça. Maintenant, il y a un témoin et soi-disant témoin ou bien par contre qui est arrivé dans le dossier de la Saline. Bon, j'ai la carrière le monde, il veut, mais celle-là, ça nous dit, et nous-mêmes, nous avons veillé pour parler de diversion qui fait, nous avons veillé pour parler de capital et politique avec capital économique qui fait sous victime et la Saline pour ne pas massacrer. Encore. Merci un peu, M. Espérance. Passez une bonne journée. Bonne journée à tous les équipes. Bonne journée. Voilà.